Ça te plaît? Ouais? Bonjour, présentez-vous, d'où venez-vous? Bonjour, nous sommes la famille Monnier du nord de la France, plus près du Pas-de-Calais. Alors, quelle association vous représentez? Nous sommes l'association des animaux des anges. D'accord. Alors, c'est votre deuxième séjour chez SNTIS. Quels sont les progrès que vous avez pu remarquer chez Matteo? Alors, Matteo, depuis avril, il arrive à mieux se mettre à quatre pattes. Il passe à s'asseoir correctement. Il est plus autonome, beaucoup plus autonome. Depuis avril, il arrive à pédaler. Donc, il arrive à faire du vélo maintenant. Parce qu'il a appris à bien bouger ses membres correctement, à se tenir beaucoup plus droit. Et là, cette fois-ci, avec la piscine, ça lui a apporté beaucoup, car il y a des séances de piscine. Alors, justement, est-ce que les exercices qui vous ont été enseignés au centre sont-ils suffisamment bien expliqués et faciles pour que vous, à la maison, vous puissiez continuer à le faire progresser? Oui, il nous les explique bien parce qu'on a un protocole et si on ne comprend pas, le thérapeute nous le réexplique correctement. Il nous dit les gestes à faire, les gestes à ne pas faire pour justement ne pas aller trop vite. Comme le style, nous, on voudrait qu'il marche, mais ils nous ont dit d'y aller tout doucement. Il faut d'abord qu'il apprenne à faire son quatre pattes correctement, à se tenir bien droit, que ses extensions soient bien faites. Donc, si vous aviez un message à faire passer, notamment aux généraux donateurs qui participent à ce projet à travers votre association, quel serait-il? Que grâce à eux, le message c'est un grand merci. Parce que grâce à eux, ça fait la deuxième fois qu'on peut revenir à SNTIS. Trois fois avec l'opération, et puis on va pouvoir revenir une nouvelle fois en avril pour continuer, et on continuera. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.